Bonjour, nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'Évangile selon saint Jean, publié aux éditions Parole et Silence, Jean, l'Évangile en filet. Pourquoi un filet? Eh bien parce que c'est ainsi que Jean l'a composé. Cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale, composé oralement. Et donc, quand on fait les choses par oral, on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet, c'est-à-dire avec non seulement des fils horizontaux, des colliers horizontaux, c'est-à-dire l'ordre habituel de la lecture, mais aussi des fils verticaux, c'est-à-dire des méditations transversales et même des tresses et des nœuds de tresses. Alors, celui qui a fait la préface, c'est quelqu'un qui parle araméen, qui est irakien et qui est aussi dominicain. C'est ainsi que, pour des Français, ça a été plus facile de le connaître. Il s'appelle Monseigneur Mirkis, il est évêque de Kirkouk et Souleymania. Alors, bien sûr, pour lui, c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'Orient, de langue araméenne, soient ainsi transmises au monde occidental. Avant donc la fête de la Pâque, Jésus savait que l'heure était arrivée pour qu'il se retire de ce monde auprès de son Père. Et il brûla d'amour pour les siens qui étaient dans ce monde. Et jusqu'à la fin, il brûla d'amour pour eux. Ces versets, très solennels, nous montrent que Jésus est conscient qu'il entre dans sa passion de façon volontaire, et par amour. C'est donc une passion d'amour. Et le verbe « aimer » est ici le verbe de racine « hav » ou « huba » qui est un amour de volonté, une volonté aimante. Et tandis que c'était le souper, Satan jetait dans le cœur de Judas, le fils de Simon l'Iscariote, la détermination de le livrer. Lui donc, Jésus, parce qu'il savait que toute chose le Père le lui avait remis en main propre, et qu'il venait de Dieu, et qu'auprès de Dieu il s'en allait. Cette phrase est extraordinaire. Elle nous ramène au récit de la création, où Adam reçoit de Dieu le Père toute la création pour qu'il la domine. Il la reçoit en main propre, comme un cadeau. Eh bien, Jésus, lui, le Fils, le nouvel Adam, le Père a tout remis entre ses mains. Et que fait-il? Eh bien, il se leva et il se mit à laver les pieds de ses disciples. C'est cela le récit de Jean chapitre 13, le lavement des pieds. C'est extraordinaire, cette puissance de domination que le Créateur a remis à l'homme. Jésus, le Fils de l'homme, en fait un usage extraordinaire. L'usage qu'il en fait, c'est d'élever les autres, non pas de dominer et d'écraser, ce qui conduit au nihilisme, au néant. Il en fait une puissance pour élever, pour libérer les autres, ce qui conduit à la vie. C'est l'amour. Alors, Jésus explique son geste. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, bienheureux si vous les faites. Jésus donne ensuite une seconde explication. Amen, amen, je vous le dis, celui qui accueille ce que j'envoie, ou celui que j'envoie, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors là, il y a une difficulté de traduction. Effectivement, on peut traduire ce que j'envoie ou celui que j'envoie. La Bible de Jérusalem dit celui que j'envoie à partir du grec. En araméen, il y a une double traduction possible. Si c'est ce que j'envoie,
Eh bien, c'est l'Eucharistie. Celui qui accueille l'Eucharistie, c'est moi qui l'accueille. Et en m'accueillant, il accueille celui qui m'a envoyé, il accueille le Père. La communion eucharistique nous unit au Fils et au Père. Au Père par le Fils. Et puis, si on prend l'autre traduction, accueillir celui que j'envoie, c'est-à-dire accueillir l'apôtre, c'est accueillir Jésus, et accueillir Jésus, c'est accueillir le Père. Autrement dit, Jésus s'associe à l'apôtre. L'apôtre est vraiment recréé à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Fils et le Père. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est encore une fois le livre de la Genèse qui s'accomplit. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le récit continue avec l'annonce de la trahison de l'un des douze. Jésus est alors comment faut-il traduire? C'est le verbe araméen « as ». On peut traduire « est fortement troublé en son esprit », mais on peut aussi traduire « se fortifia en son esprit ». C'est-à-dire qu'en fait, Jésus est troublé, mais en même temps, il surmonte son trouble. Et que fait-il? Il donne la bouchée à Judas. Vous savez, ce n'est pas encore le geste de la communion. Il s'agit ici de la bouchée d'honneur. En Orient, c'est un geste solennel que l'on fait pour honorer un invité d'honneur. C'est incroyable. Jésus a lavé les pieds de Judas et maintenant il lui donne la bouchée d'honneur. Autrement dit, Jésus aime jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Il exerce une miséricorde folle. Il sait, Jésus, ce que Satan a jeté dans le cœur de Judas, la décision de le livrer. Et Jésus va jusqu'à l'extrémité possible de l'amour. Laver les pieds, honorer. Et Judas refuse. Il s'en va, il faisait nuit. Quand Judas prend la bouchée, il est dit que Satan entra en lui. En un sens, heureusement qu'il y a Satan pour prendre une part de responsabilité dans cette affaire. En effet, regardez bien les Écritures. Caïn tue Abel par jalousie. Le décalogue nous dit qu'il ne faut pas laisser entrer en nous la convoitise, les mauvaises pensées. Exode chapitre 20. Mais le livre de la Sagesse au chapitre 2 nous dit que c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Donc il y a bien aussi une responsabilité qui vient de Satan. Et cette mention explicite l'enjeu de la passion. L'enjeu de la passion n'est pas seulement la sordide histoire d'une trahison, ni d'un procès injuste, ni d'un martyr. C'est un combat contre le serpent des origines, contre Satan. Et Jésus dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Autrement dit, Jésus est le maître de la situation. Alors les apôtres ne comprennent pas ce que Judas fait, mais Jésus, lui, le sait. Il est le maître de la situation, encore une fois, il entre volontairement dans sa passion. Alors au niveau des apôtres, voyez bien le contraste. Il y a les apôtres qui sont identifiés à Jésus, celui qui accueille celui que j'envoie, c'est moi qui l'accueille. Ils sont recréés à la ressemblance de Dieu. Et puis il y a Judas qui sort dans la nuit, comme Adam et Ève, après avoir mangé de l'arbre interdit, quittent le jardin et s'en vont dans la nuit. Contraste saisissant. La passion de Jésus est une victoire de l'amour brûlant. C'est une gloire, une glorification. Quand Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifie. Et d'un coup, il le glorifie. »
En araméen, le verbe glorifier signifie aussi féliciter, chanter les louanges. Eh bien, Jésus chante les louanges du Père par sa foi, par son amour. Et le Père chante les louanges du Fils. L'expression « le Fils de l'homme » se réfère au jugement à venir, quand Jésus reviendra sur les nuées du ciel, établir le royaume du Père. Jésus dit ensuite « Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Alors on a encore le verbe « aimer » de racine « hav » ou « huba » d'un amour volontaire, une volonté aimante, vouloir aimer. Ça va au-delà du sentiment entre deux personnes qui se ressemblent et qui partagent beaucoup d'activités communes. Il s'agit là de vouloir aimer. Vous savez, quelquefois, on n'a pas beaucoup de sentiments. Mais on peut vouloir et poser quelques gestes. Une lettre, un service, un acte, qui sont un amour volontaire, comme Jésus. Comme Jésus. Et le « comme » montre vraiment la ressemblance avec Jésus. La ressemblance divine. Nous passons à la perle suivante. Nous voici au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. C'est donc la perle 6B dans ma numérotation. Dans cette perle, il faut remarquer l'enfilage des perles. Que s'est-il passé avant ? Avant, Pierre avait dit à Jésus qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Et Jésus lui avait annoncé son reniement. Dans ce bref dialogue du chapitre 13, Jésus avait donc, d'une manière voilée, annoncé sa mort. Et on peut remonter plus haut dans le chapitre 12. Jésus avait annoncé que le Fils de l'homme sera exalté et qu'il attirerait tout homme à lui. Et nous dit l'évangéliste, il dit cela pour annoncer de quelle mort il mourrait. Il ne mourrait pas lapidé, il mourrait crucifié. Or, mourir crucifié, c'est une malédiction. Livre du Deutéronome, chapitre 21, celui qui meurt pendu au bois doit être enseveli le soir même, car mourir pendu au bois est une malédiction. Aussi, Jésus dit-il aux disciples, « Que votre cœur ne s'alarme pas. » Et Jésus explique à ceux qui l'ont suivi que sa mort n'est pas une malédiction. Elle est bien plutôt une bénédiction, car Jésus s'en va pour préparer une place aux disciples. Écoutons-le. « Et si je m'en vais et vous prépare un lieu, je reviens de nouveau et je vous emmène auprès de moi, afin que là où moi j'existe, vous aussi, vous soyez. » Donc, Jésus est une bénédiction. Mais les disciples ne vont pas suivre Jésus au ciel, auprès du Père, immédiatement. Ils doivent encore accomplir des œuvres. Alors, ils vont accomplir ces œuvres et la perle suivante va nous dire eh bien, que pour cela, Jésus va envoyer l'Esprit-Saint paraclet. Et nous voici au chapitre 14, verset 15, la perle 6C. Jésus dit, « Si vous éprouvez de l'amour pour moi, mes commandements, gardez-les, et moi je supplierai le Père, et il vous enverra un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous pour les siècles, l'Esprit de vérité, celui que le monde n'est pas capable de recevoir, parce qu'il ne l'a pas vu et ne le connaît point. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viens en effet auprès de vous, dans un peu de temps. » Jésus, refusé, va repartir. Que le refus des pécheurs le fasse partir, on comprend. Mais les autres, que vont-ils devenir ? Ils vont continuer le foyer d'amour. Et dans la mesure où ils gardent les commandements,
Jésus leur donne l'Esprit Saint, le paraclet, le défenseur, celui qui déjoue les pièges. Le monde n'est pas capable de coopérer avec l'Esprit de vérité. Mais les disciples, oui. Jésus annonce aussi sa prochaine venue, réservée aux disciples. Et le monde ne me verra pas. Vous, en revanche, vous me verrez. Il ne s'agit pas de la venue glorieuse du Christ, où tout le monde le verra. Il s'agit de la venue du Christ dans sa résurrection. Vous saurez en ce jour-là que je suis en mon Père et que vous, vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Jusqu'à présent, les disciples avaient été instruits de l'union de Jésus au Père. Ils savaient que Jésus était l'envoyé. Ils savaient des paroles telles que « Le Père et moi, nous sommes un ». Ce n'est pas en soi une découverte, mais ce qui est nouveau, c'est de comprendre quelle est la nature de cette union. Pour l'instant, les disciples ont beaucoup de choses en tête, notamment toutes ces machinations qui se jouent à Jérusalem, toute cette angoisse, tout ce procès qui se monte contre Jésus. Mais après, ils pourront comprendre la nature de l'union de Jésus à son Père. Ils auront une union eucharistique avec Jésus. Je voudrais vous faire écouter le verset 21, toujours du chapitre 14, avec les deux nuances de l'amour. Il y a le verbe de racine « hav »,« huba » et le verbe de racine « rechem »,« rechemta ». Donc l'amour de volonté et l'amour de tendresse, l'amour connaturel de la mère et de l'enfant, l'amour des entrailles. Eh bien, il y a les deux. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amour de volonté, volonté aimante. Et celui qui m'aime, amour connaturel, sera aimé de mon Père, amour connaturel. Et je l'aimerai, amour connaturel, et me manifesterai à lui. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en gardant les commandements de Jésus, donc le décalogue, mais aussi les commandements qui sont exprimés à travers les béatitudes, par exemple, eh bien, en gardant ces commandements, nous participons de la nature divine. Nous sommes aimés d'un amour connaturel. Rechem, l'amour des entrailles, l'amour des enfants, l'amour que ressent un parent pour son enfant. Le paraclet est envoyé par le Père. Ils sont trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le paraclet est une personne divine, Jésus dit. Ce paraclet-là, donc, l'Esprit de sainteté, celui que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et lui vous remémorera tout ce que je vous dis. Ensuite, Jésus annonce encore une fois sa passion et sa résurrection en termes voilés. « Je m'en vais et je reviens. » Et il en donne la signification. « Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père. » La paix ensuite, la paix que Jésus donne, c'est sa propre paix, shlama. C'est sa propre plénitude, la plénitude qui lui vient du fait qu'il fasse la volonté du Père, la divine volonté. Et je fais comme le Père me l'a commandé. Alors la finale du chapitre, mettons-nous debout, allons-nous-en d'ici. Alors, ceux qui ne connaissent pas bien les traditions du Seder Pascal ont imaginé que les disciples se lèvent, s'en vont, et puis, le chapitre suivant, où Jésus se compare à la vigne et les disciples au sarment, eh bien, c'est un discours qui se passe sur le chemin de Gethsémani. Et donc, c'est un discours peut-être transmis bien après, plus tard. En fait, les choses peuvent avoir été beaucoup plus simples lors du Seder Pascal. Il faut savoir qu'à un moment donné, on débarrasse la table avant le dessert. Ou même, on change de place. On va s'asseoir dans un coin du salon pour manger les afikoumen, les petits desserts sucrés.
Eh bien, c'est très probablement ce qui s'est passé. Ils ont quitté le repas copieux pour se mettre dans une autre position, pour écouter un discours plus intime et entrer dans la confidence de Jésus. Nous voici à la perle suivante, 6D, Jean chapitre 15. Jésus dit: Je suis moi la vigne en vérité, et mon Père est lui le cultivateur. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin que de nombreux fruits il produise. Alors que Jésus s'identifie à la vigne, c'est là une reprise du prologue, hein? C'est Jésus qui est planté. Dans le prologue, il a planté sa tente. Ici, il est planté dans la terre. C'est l'incarnation. Alors, les rameaux qui doivent être émondés, purifiés, ce sont les hommes et ce sont les institutions qui doivent garder la simplicité de l'évangile, l'esprit de pauvreté, la ferveur. Ils ne doivent pas s'encombrer de doctrines humaines. Pierre lui-même va être rudement émondé. Il va vouloir suivre Jésus en sa passion, mais il va arriver au bout de ses capacités humaines, de sa force. Il va renier le maître. Et donc, il est purifié de cette fausse assurance où l'on compte trop sur soi et pas assez sur la sève que l'on reçoit de la vigne. L'image qu'a prise Jésus évoque aussi, à travers cette vigne taillée pour porter davantage de fruits, le mystère de la mort et de la résurrection. Jésus meurt pour porter davantage de fruits. Ces choses-là, je vous en ai parlé, afin que ma joie soit en vous et que soit parfaite votre joie. Ceci est mon commandement, brûlez d'amour les uns pour les autres. De la même façon que moi, j'ai brûlé d'amour pour vous. D'amour brûlant, Hab, il n'y en a pas d'autre que celui-ci, qu'un homme dépose sa vie en échange pour ses amis. On peut vraiment comprendre que la passion du Christ est un don d'amour, une intercession d'amour. Lorsque Jésus sera déjà mort, un soldat transpercera son cœur, il sortira de l'eau et du sang qui témoignent d'une déchirure du myocarde, c'est-à-dire d'une mort d'angoisse, d'une angoisse d'amour. La communion d'amour entre Jésus et les disciples et Jésus, conduit à une communion de destin. Les disciples seront confrontés, comme Jésus, à la haine et à la persécution. Et Jésus leur dit: « Mais ils feront tout cela contre vous à cause de mon nom. » Et de ceux qui ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le fait de ne pas connaître celui qui m'a envoyé n'est pas une excuse facile, comme si Jésus n'avait pas parlé. Ce n'est pas une excuse, oh, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas. Non, c'est un péché. Jean 15, versets 22 et 24. Deux fois Jésus répète le péché. Ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas voulu connaître. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ne pratiquent pas les commandements et que par conséquent, leur intelligence ne peut pas voir, ne peut pas goûter, ne peut pas percevoir. Or maintenant, ils ont vu et ils ont eu de la haine, et pour moi et pour mon Père, afin que s'accomplisse la parole qui est dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Nous voici dans la perle suivante, 6e, qui commence en ces termes: lorsque donc viendra l'esprit paraclé. Alors, l'esprit paraclé. L'esprit, dans les langues sémites, c'est le souffle. Et au tribunal, dans les civilisations sémites, il y a un souffleur. Donc, l'esprit paraclé, c'est l'esprit avocat qui souffle à l'accusé sa déposition et qui l'aide. Et par la suite, eh bien, l'esprit paraclet, c'est le souffle puissant de l'inspiration des Écritures,
à tel point que le prophète ne peut pas écrire tout de suite. C'est quelqu'un souvent qui écrit sous sa dictée, parce qu'il est saisi par un souffle. Mais dans le monde grec, on ignore cette pratique du souffleur. L'avocat, c'est quelqu'un qui pratique une rhétorique, des arguments, des déductions logiques à partir de la loi. Et donc cela va former des rabbins qui forment des déductions logiques à partir des versets de l'Écriture. Et on est très loin de l'esprit de l'interprétation globale de l'Écriture comme une inspiration, justement un souffle puissant. Donc Jésus promet l'esprit paraclet. Mais la perle forme un tout et il est aussi question du jugement de Satan, du jugement du prince de ce monde. Un triple jugement, une expulsion, et c'est bien logique, pour être rempli de l'Esprit-Saint, il faut d'abord avoir été vidé de Satan. Et ce qui est vrai au niveau de l'âme de tout à chacun est vrai aussi au niveau du monde entier. Jésus est condamné comme un pécheur, mais l'Esprit paraclet va montrer que c'est l'inverse. Il est innocent, il y a un péché à ne pas croire en lui. Jésus est condamné par un procès injuste et l'Esprit Saint va, au contraire, montrer la justice. Jésus est élevé auprès du Père, il est ressuscité par le Père, il est justifié par le Père à travers cette résurrection. Jésus est maudit par les hommes, il est crucifié comme une malédiction. À l'inverse, l'Esprit-Saint va manifester que c'est le prince de ce monde qui est jugé. Dans la perle 6F, Jean 16, verset 16, Jésus termine de préparer ses apôtres à la passion. Son départ sera pour eux une tristesse, mais votre tristesse se transformera en joie. En effet, dit Jésus, vous me reverrez et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Jésus, pendant sa passion, sera un intercesseur, un puissant intercesseur, et la passion de Jésus sera pour les disciples une puissance d'intercession. Amen, amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Nous avons été habitués à comprendre d'où vient cette puissance du Christ. Elle vient de l'union de sa volonté à celle du Père. Nous avons entendu par exemple dans la perle 6D, de la même façon dont moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans l'ardeur de son amour. Ainsi Jésus peut-il terminer sur ces mots. Dans le monde, ce sera pour vous l'angoisse, mais ayez du cœur, je l'ai vaincu le monde. Il y a dans ce sixième collier une parole de Jésus qui n'est pas agréable à entendre. Vous n'êtes pas capable. Cette parole vient comme un refrain. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable maintenant, mais plus tard, oui. Vous serez capable. Vous n'êtes pas capable seul, mais en moi, oui, vous serez capable. Alors, commençons. Perle 6a. Jésus rappelle, « Comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis à présent. » À Pierre, qui résiste, Jésus insiste. « Là où je vais, tu n'es pas capable de venir maintenant. À la fin, néanmoins, tu viendras. » Mais Pierre résiste. Pourquoi ne suis-je pas capable de venir maintenant à ta suite? Et Jésus va lui annoncer son reniement. Dans la perle 6b, Jésus donne une parole encourageante. Les disciples seront capables de faire de grandes choses.
Amen, amen, je vous le dis. Qui croit en moi, les œuvres que je fais, moi, lui aussi, il les fera. Mais pour l'instant, ils ne sont pas capables. Et Thomas dit, nous ne savons même pas où tu vas. Comment serions-nous capables d'en connaître la voie? Dans la perle 6C, Jésus promet un autre paraclet. Celui que le monde n'est pas capable de recevoir. Perle 6D. De la façon dont le sarment est incapable de porter du fruit, sinon en demeurant sur la vigne. De la même façon, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, parce que sans moi, vous êtes incapable de quoi que ce soit. Perle 6e. Jésus dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de le saisir maintenant. Et puis perle 6F, la dernière, Jésus annonce la joie après la peine. Vous vous réjouirez. Ayez du cœur, je l'ai vaincu le monde. Maintenant, chers auditeurs, nous sommes en mesure de faire le lien avec le collier du pain de vie. Dans le collier du pain de vie, Jésus disait, amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, il n'y a point, quant à vous, la vie dans votre personne. Celui, en revanche, qui mange mon corps et boit mon sang, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. Alors, bien sûr, nous avons vu dans le collier du pain de vie qu'il s'agit aussi de mourir à sa volonté propre pour s'unir à la volonté divine. Et nous voyons maintenant, dans ce fil horizontal numéro 6, le discours après la scène, si vous voulez, que Jésus souligne, vous n'êtes pas capable sans moi. Il s'agit aussi de mourir à son autosatisfaction, à son autoréférence, pour vivre uni à lui, comme les rameaux sont unis au cep de vigne. Alors, maintenant que nous avons vu cette dimension quasi eucharistique de ce discours après la scène, nous allons faire une petite recherche. Bien sûr, Saint Jean ne donne pas un rituel eucharistique. Cela, les autres évangéliques l'ont fait, les autres évangélistes l'ont fait. Mais Jean pourrait donner quelque chose de plus original, à savoir le ton des célébrations liturgiques. Un ton fait d'humilité, de compunction, de foi, de joie, d'amour. C'est ce que nous allons découvrir maintenant avec une étude en parallèle entre ce collier que nous venons de voir et la liturgie la plus ancienne qui puisse exister, à savoir celle de Jacques. La liturgie, selon saint Jacques, était le rite ancien de Jérusalem. Saint Cyrille de Jérusalem en témoignait. La forme ancienne, la forme primitive, était en araméen. Elle est encore utilisée de nos jours par les églises syriaques orientales. Une traduction en grec existe dans les églises orthodoxes occidentales. Ce que je vais vous montrer, c'est un parallèle, un écho, entre ce collier 6 là de Saint Jean que nous sommes en train de lire, entre Jean 13 et Jean chapitre 16, et cette liturgie de Saint Jacques. Commençons. La perle qui nous parle du lavement des pieds, de la purification. Jésus dit, « Celui qui fait une ablution n'a besoin que de se laver les pieds. C'est tout entier en effet qu'il est pur. Vous tous, vous êtes purs. » Néanmoins, non pas tous. Alors, si nous prenons maintenant la liturgie de Saint Jacques, grecque ou syriaque,
Elle commence par rappeler que nous entrons dans la demeure de Dieu. De l'encens est offert comme un suave parfum pour la rémission des péchés et la purification des consciences. Le prêtre se prépare en implorant « Seigneur, aie pitié de moi ». Ensuite, de l'encens est offert afin qu'avec une conscience pure, nous puissions t'offrir des dons. Après l'épître et juste avant le trisagion, le prêtre dit « Car nous ne sommes pas capables de vaincre ce qui s'oppose à nous. » Deuxième perle. Au Cénacle, Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis. Qui croit en moi, les œuvres que je fais, moi, lui aussi, il les fera. » Eh bien, dans la liturgie de Saint-Jacques, après le Saint-Évangile, on demande à Dieu d'illuminer nos âmes afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de chants spirituels, mais également des acteurs, des actes, des acteurs de bonnes choses. Au Cénacle, nous ne savons pas où tu vas. Comment serions-nous capables d'en connaître la voie? Eh bien, dans la liturgie de Saint-Jacques, il est question du chemin. Le chant du cœur, après le Saint-Évangile, indique cette voie sur laquelle il faut s'avancer. Que fasse silence toute chair mortelle, car le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'avance pour être immolé et donné en nourriture aux fidèles. Au Cénacle, Jésus répond à Thomas, « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. » Dans la liturgie, selon saint Jacques, la prière du voile fait dire au prêtre, « Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de nous accorder la confiance de pénétrer dans ton sanctuaire. » Par ce nouveau et vivifiant chemin qui nous est ouvert par le voile, le chemin de la chair de ton Christ. Au Cénacle, Jésus dit, observez bien la structure. Si vous éprouvez de l'amour pour moi, mes commandements, gardez-les. Ensuite, il parle de l'Esprit Saint qui va habiter dans le disciple. Et puis, il parle aussi de lui, Jésus, le Fils, qui va habiter dans le disciple. Donc, le disciple devient un temple habité par l'Esprit Saint et par Jésus. Et puis, Jésus revient à la question des commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui brûle d'amour pour moi. Donc, vous avez une structure qui est en fait quelque chose qui fait écho au psaume 15. Le psaume 15, qu'est-ce qu'il dit? Il pose une question. Seigneur, qui logera dans ta tente? Qui habitera sur ta sainte montagne? Autrement dit, qui ira dans le temple de Jérusalem? Et la réponse est celui qui agit en juste et qui dit la vérité de son cœur, ne jette pas d'opprobre à son prochain, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent. Autrement dit, celui qui garde les commandements. Donc, qui veut entrer dans le temple ou qui veut être lui-même un temple de l'Esprit Saint ou de Jésus? Eh bien, garde les commandements. Alors, dans notre parallèle avec la liturgie, nous en sommes au moment d'un rite d'accès à l'autel. Inclination devant l'autel, transfert des oblats. Les prières ou les chants connotent avec le besoin d'être gardés sans transgression. Sans condamnation dans la justice du Seigneur, c'est-à-dire d'être gardé dans la voie des commandements. Au Cénacle, Jésus promet un autre paraclet. Ce paraclet-là, donc, l'Esprit de sainteté, celui que mon Père enverra en mon nom. Lui vous enseignera toutes choses et lui vous remémorera tout ce que je vous dis. Eh bien, la divine liturgie, à ce moment, fait réciter le credo. Et qu'est-ce que le credo? Sinon un aide-mémoire, un résumé de tout le contenu de la catéchèse, de tout le contenu de la foi, que l'Esprit-Saint nous souffle et nous remémore. Au Cénacle, Jésus dit aussi, « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix qui est la mienne. » Et dans la divine liturgie, eh bien justement, on en est au baiser de paix. Aimons-nous les uns les autres avec un saint baiser. Le parallèle est vraiment
incroyable, hein ? Au cénacle, Jésus dit « Mettez-vous debout ». À la fin du baiser de paix, le diacre dit « Tenons-nous debout ». Tenons-nous dans la crainte et avec un cœur contrit, soyons attentifs afin d'offrir en paix la sainte oblation. Et le prêtre dit « Élevons nos esprits et nos cœurs, et le cœur, nous les élevons vers le Seigneur ». On a vraiment l'impression que la divine liturgie correspond au rythme des perles du collier de l'Évangile selon saint Jean, qui à cet endroit disait « Mettons-nous debout ». Et on change de place. On va passer de la liturgie de la parole, Kubala, à la liturgie proprement eucharistique, Kurbana, la consécration des oblats. Peut-être même, dans les très anciennes liturgies, y avait-il deux endroits et l'on se déplaçait d'un endroit à l'autre, comme jadis au cénacle. Au cénacle, Jésus transmet encore cette parole radicale. Parce que sans moi, vous êtes incapables de faire quoi que ce soit. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment sec, et il le ramasse, et il le jette, afin qu'il brûle. Dans la divine liturgie de saint Jacques, nous arrivons maintenant à la prière de consécration. Lorsque l'homme chuta en désobéissant à tes commandements, tu ne l'as pas abandonné, Père très bon. Tu lui envoyas d'abord la loi et les prophètes, puis ton Fils unique engendré, notre Seigneur Jésus-Christ, pour renouveler et restaurer ton image en lui. Le sarment sec dont parlait Jésus, c'est l'homme qui, ayant chuté, ne veut pas être restauré. La divine liturgie selon saint Jacques fait ensuite un dialogue entre les célébrants et les fidèles. Le célébrant. Nous faisons mémoire, Seigneur, de ta mort, de ta résurrection, de ton ascension au ciel, de ta session à la droite de Dieu le Père, de ta seconde venue dans la gloire. Lorsque tu jugeras en justice la terre habitée, et que tu rétribueras chacun selon ses œuvres. Tout ce dialogue, et surtout la dernière phrase, évoque le moment où le sarment sec sera jeté au feu. C'est le jugement qui accompagne la seconde venue du Christ, la parousie. Et il faut remarquer que ce jugement aura lieu alors que la terre est habitée. Il ne faut pas confondre la parousie avec la fin du monde, comme je l'ai souvent répété. Au cénacle, Jésus fait aussi une triple promesse concernant le paraclet. Et lorsqu'il sera venu, lui, le paraclet, il blâmera le monde quant au péché, et quant à la justification, et quant au jugement. Quant au péché, car il ne croit pas en moi. Quant à la justification, donc, car je vais auprès de mon Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, donc, car l'archonte de ce monde est jugé. Eh bien, à cette triple promesse correspond une triple prière dans la divine liturgie selon saint Jacques. Alors, dans la traduction grecque, il n'y a qu'une double prière, sur le pain et sur le vin. Mais dans le rite en syriaque, il y a bien une triple prière qui fait bien sûr écho à l'évangile selon saint Jean. Prière sur le pain, prière sur le vin et prière sur ceux qui en consomment. Vous lirez ces prières dans mon livre. Au cénacle, Jésus dit « C'est moi qui supplierai le Père pour vous ». Et dans la liturgie selon saint Jacques, nous en sommes maintenant à une longue intercession qui s'achève par la prière du Notre Père. Nous voici à la dernière perle du collier. Au cénacle, Jésus promet « C'est moi qui supplierai le Père pour vous ». Eh bien, il y a un parallèle dans la divine liturgie. C'est maintenant le temps d'une longue intercession qui s'achève par la prière du Notre Père.
Pour prier le Notre Père, il faut que Dieu, le Père, se fasse Père pour nous. Il faut que le Père de Jésus-Christ soit aussi en quelque sorte le nôtre. Eh bien, c'est bien ce que dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, dans cette dernière perle du collier. Lui, en effet, le Père, éprouve de l'amour pour vous, parce que vous avez cru que d'auprès de lui je suis sorti. Alors, dans la traduction grecque de la Divine Liturgie, l'introduction « Notre Père » est assez sobre. Il est question du Maître Seigneur qui aime les hommes. Mais dans la Divine Liturgie, traduite du syriaque, c'est beaucoup plus chaleureux et cela correspond vraiment au verset de l'Évangile de Jean que nous venons d'entendre, où il est dit que le Père éprouve de l'amour pour vous, car vous m'avez aimé, toute cette chaleur, cet amour plein de tendresse. Écoutez la liturgie, traduite du syriaque, le célébrant dit « Au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, toi qui t'es attendri et as sanctifié ces offrandes présentées devant toi et les as parfaites par la grâce de ton Fils unique et l'effusion de ton Esprit Saint. Sanctifie, Seigneur, nos âmes, nos corps et nos esprits, en sorte que nous t'appelions d'un cœur pur et d'une âme éclairée, Dieu céleste, Père très saint, en disant « Notre Père ». Alors ensuite, il y a la communion et l'action de grâce, qui aussi actualise cette parole de Jésus, cette promesse, afin qu'en moi, il y ait pour vous la paix, la shlama. Et puis ensuite, eh bien, c'est la fin des saints mystères, de la sainte messe, c'est terminé. Et donc, on est envoyé dans le monde. Eh bien, c'est comme la fin de ce collier où Jésus dit « Ayez du cœur, je l'ai vaincu, moi, le monde !» Autrement dit, allez dans le monde avec confiance et courage. Un fil conducteur évident se voit, Jésus est le chemin, un chemin sur lequel il faut marcher avec fermeté, persévérance, et qui mène à la vérité tout entière et vers le Père. Jésus est en voie d'être arrêté, mais se prépare déjà un contre-procès, un déjugement. Les disciples feront les œuvres de Jésus, perle B. Mieux encore, l'Esprit-Saint blâmera le monde. Il en révélera le péché et l'injustice. Le Père est le juge suprême. Donc, reprenons les perles. Perle A, Jésus, sachant qu'il retourne auprès du Père, commença à laver les pieds de ses disciples. « Je suis le chemin, perle B. Celui qui croit en moi, ces œuvres que je fais, il les fera. » Perle C, Jésus promet le paraclet, l'esprit de vérité, fermeté, et c'est en vous qu'il est. « Je ne vous laisserai pas orphelin, ce qui se réfère encore au Père. » Perle D, la vigne et les sarments. Alors, dans l'image de la vigne, on a encore un écho, vous voyez, les deux perles centrales se répondent. L'esprit de vérité, fermeté, c'est en vous qu'il est. Et dans l'image de la vigne, eh bien, l'Esprit Saint, c'est la sève. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de nous unir à la vie trinitaire. C'est l'Esprit Saint qui fait participer à la vie de Dieu et à son agir et qui nous fait porter des fruits abondants. Mon Père est le vigneron, demeurez dans mon amour. Perle E. Le paraclet qui blâmera le monde et vous conduira dans la vérité tout entière. Et perle F, je suis sortie d'auprès du Père et je vais auprès du Père. Et on retrouve ce mouvement de la liturgie qui est orienté vers le Père. Alors on peut dire aussi que ce collier prépare le collier suivant qui sera la passion, qui est un long chemin de croix qui peut se comprendre comme une montée vers le Père. Merci, au revoir, à bientôt.